Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité de Counter-Strike avec le récapitulatif de tous les RMR avec bien évidemment 3D Max qui réalise un exploit historique, on va revenir sur le parcours en entier, Vitality également, mais aussi Fnatic avec Body qui nous représente par exemple, Falcon qui euh, fait un choix drastique, radical, qui dégage absolument tout le monde de son roster. Et bien évidemment, quelques petites news par-ci par-là. Je vous invite à vous abonner. On essaye d'atteindre les 120 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui ne le sont pas. C'est un petit effort une grande récompense pour nous. Merci beaucoup pour votre soutien. J'adore les skins Counter-Strike. Et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MalexSGO sur LKZ. Tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement. Et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades. Mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Case pour cette intro sponsor qui soutient mon travail. Code Malex CSGO, les amis. On a eu plusieurs petites mises à jour de Counter-Strike 2. Ces derniers temps, avec des améliorations très nettes, le sceptique euh, networking a été amélioré. Enfin, euh, moi, en tout cas, ça touche mieux le spray. J'ai vu dans vos commentaires qu'il y avait des personnes qui euh, mouraient encore plus souvent derrière les murs que ce que c'était le cas auparavant. Très certainement que avec ces ajustements, il y a des configs avec lesquelles c'est plus problématique et on ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Honnêtement, j'ai pas mal confiance en ce que je vais dire. Patientez un petit peu parce que là, valve j'ai l'impression que c'est leur priorité d'améliorer le gunplay. Et vu qu'on est entre la phase du RMR et le Major, peut-être qu'on va push encore une fois des petites mises à jour par-ci par-là. D'ailleurs, dans ces petites mises à jour, quelque chose qui a été introduit, c'est le fait d'avoir un bannissement pour les personnes qui effectuent trop de kicks désormais. C'est absolument l'UNESC, soyons honnêtes. Pourquoi Eh bien parce que euh, visiblement vous allez avoir euh, une heure puis euh, 24 heures, puis 7 jours selon voilà, la, la fréquence des kicks que vous effectuez. Donc si vous kickez trop de fois vos coéquipiers, eh bien vous pouvez être sanctionné désormais. Ce qui veut dire que si sur 10 games, vous jouez avec 10 cheaters et que vous les kickez, eh bien vous allez être banni. Donc c'est magnifique. Valve, euh, moi je les applaudis pour ça. Alors que je comprends pas, il y a je veux bien qu'on veuille euh, sanctionner les personnes qui font des kicks abusifs. Je pense que tout le monde va se reconnaître dans ce discours-là. Tu es en solo queue, tu tombes sur une majorité de joueurs CIS, pas forcément les mecs en, en 4 stacks, mais tu tombes avec une majorité de gens au moins qui parlent le même langage. Et forcément, tu es le petit Frenchy, tu te fais kicker à la fin. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. J'en ai le sourire parce que moi, ça m'est déjà arrivé et ça te fout les boules comme ça. Eh bien, ces personnes-là font des kicks abusifs et donc euh, devrait être sanctionné. Donc pour cette raison-là, je trouve que c'est très 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 appréciable cette nouvelle mise à jour. Néanmoins, on le sait très bien, ça reste, je pense, rarissime, alors que euh, des kicks dans ton équipe euh, pour troller les copains euh, juste à la fin, euh, voilà, pour taper une petite euh, barre, ou alors sanctionner les personnes qui ont des comportements euh, intempestifs et à répétition sur chaque game, il va y en avoir constamment. Et là, tu vas te faire sanctionner derrière. Je trouve ça vraiment problématique. J'en avais pas parlé la semaine dernière parce que euh, c'était que euh, du blabla sur Twitter, etc. Néanmoins, cela a pris une ampleur quasiment européenne. Enfin même, c'est sûr, européenne. News HLTV, euh, tweet de... et communication en tout cas de la part de Vitality. D'Apex le capitaine. De Neo le propriétaire de Vitality. De la directrice communication et e-sport euh, de Vitality également. Et plusieurs articles en plus à HLTV euh, à ce sujet-là. KRL avait euh, leak des informations qui sembleraient en tout cas démenties par Vitality. Donc, fausses ou pas. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est démenti par Vitality et donc Neo lui-même. Il avait dit que euh, Apex euh, avait été trahi par Vitality et que Neo avait sollicité des clubs pour le vendre dans son dos euh, et ce genre de choses. Et eh bien, euh, Neo a fait un petit tweet trolling avec un ton d'humour. Selon les sources de Vitality, euh, Neo, on va vendre le clavier d'Apex avec ses 19 apparitions au major. Il me semble que c'est un truc comme ça. Derrière, on a Apex lui même qui tweet euh, un petit même on a team vitality qui fait un tweet derrière 250 000 vues hein. notre capitaine n'est pas à vendre article hltv repris également avec interview et donc euh, des quotes de la part du camp de vitality qui dément absolument tout ça rassurez-vous donc les fans de vitality apex va rester chez vitality pour 2025 certes il a été sollicité euh, par falcon mais euh, renégociation de contrat chez vitality prolongation amélioration de salaire Merci. Pour le moment, on a dû faire un choix chez Vitality. Si vous voulez, en tout cas moi, mes inside, c'était euh, soit on gardait Spinks et euh, on reconstruisait autour Capitana leadership avec lequel peut-être il y a une mésentente sportive euh, avec lui et Apex et même le coaching staff et ce genre de choses, ou alors on conservait Apex et on reconstruisait avec des euh, éléments de Firepower qui pouvaient s'ajouter à l'équipe. Et moi, je suis très content, en tout cas, de cette news parce que euh, Apex, ben, il, 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 il s'affirme, il se confirme comme un membre j'ai envie de dire historique de l'écurie Vitality c'est lui qui a fait de Vitality euh, ce qu'elle est aujourd'hui comme, euh, comme org et euh, je trouve que euh, c'est très bien j'espère que vous êtes prêts pour vous frotter les mains les gars on va parler euh, de Mercato et sachez que là on est en plein major certes mais euh, le avant major avec les équipes qui ne se sont pas qualifiées pour le major et le post major avec les équipes qui vont forcément se restructurer pour visualiser en tout cas le circuit 2025 il va y avoir du mercato absolument extraordinaire et je parle d'absolument toutes les écuries hein. on va aller regarder ça vous allez voir que on peut d'ores et déjà préparer notre petit euh, pop-corn parce que va y avoir vraiment du grabuge côté Pet Boom, par exemple Nafani va être écarté c'est le leader in game historique etc avec Keron donc BetBoom qui ne se sont pas qualifiés par exemple pour le major c'est acté on a surtout Falcon qui en plein RMR, dès, dès l'élimination en tout cas de Falcon en une victoire, trois défaites il me semble, le soir même ou le lendemain. Euh, officiel statement de la part du club qui écarte absolument euh, tout le monde. Voilà, vo voici euh, le statement officiel pour ceux qui veulent euh, le screen. Voilà, prenez-le. Donc, voilà, avec effet immédiat, Dupré, Snappy, Madden sont écartés et le contrat de Simple ne sera pas renouvelé. Je vous rappelle que Simple appartient à Navi et qu'il était en prêt chez Falcon. Et euh, qui ne sera pas donc signé en tant que titulaire chez Falcon. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, chez Falcon, il reste Magisk. C'est tout. Et donc il faut ajouter 4 joueurs. C'est problématique aussi au niveau du circuit. Euh, normalement, on doit garder une majorité de 3 joueurs. Pour euh, conserver les points acquis durant l'année, rester dans le top entre guillemets 15 mondes, euh, 15-20 mondes pour pouvoir être invité à des tournois, etc. Ça veut dire que Falcon fait un choix fort et décide de repartir de zéro, de repartir sur une feuille blanche, et de regrinder depuis tout en bas. Bon, ils vont quand même bénéficier de petites invitations, on va pas se le cacher. Ça reste Falcon, ils sont en train de build une super team. Pour ceux qui veulent des news euh, 99,999999% assurés, on aura Magisk chez Falcon, on aura Nico chez Falcon, on a une négociation donc ça c'est acté on a une négociation très très avancée de Jim Fat le joueur de mouse finlandais petit prodige dont j'avais fait une analyse individuelle de POV parce que je trouvais que c'était le choix parfait pour remplacer Messi chez Vitality Vitality l'a sollicité G2 l'a sollicité d'autres clubs l'ont sollicité il a refusé ces propositions là pour se diriger vers Falcon sur cette super team qui est en train d'être construite pour 2025 et surtout on est de construire vraiment une super team sur le long terme ce qu'ils avaient échoué à faire pour 2024 soyons honnêtes c'est pas une super team ce qu'ils ont fait il y a beaucoup de gens qui font des pieds de nez et qui essayent un peu de décrédibiliser le projet Falcon de 2024 je suis désolé mais payus Maden Dupré et j'en passe c'est pas de la super team les gars ils ont essuyé beaucoup de refus en fait pour 2024 ils ont dû se rabattre sur des seconds choix le seul vrai choix c'était Zonic Magisk qui était entre guillemets du haut rang. Donc 2024 est un pseudo échec. Malgré euh, le fait que historiquement ce soit leur meilleure année à Falcon. Je vous le rappelle. Très beau parcours à Katowice. Bon il se qualifie pas au major. Mais il rentre dans le top 15 monde. C'est des classements qui n'avaient jamais atteint de leur histoire. Donc c'est quand même mitigé. Néanmoins les moyens qui sont employés financiers pour recruter ne serait-ce que ces joueurs là. Ça reste quand même euh, extrêmement décevant. Donc Focus 2025. Majisk. Nico. Jim Pat et euh, écoutez bien euh, le quatrième là, ça va être solide. C'est ce que je vous avais dit de toute façon il y a une semaine, il y a deux semaines quand on parlait de Falcon. C'était soit Simple, ça fonctionnait très très bien et on le conservait au Sniper, soit on va aller se rabattre sur Monésie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Falcon est en train de négocier très très sale euh, Monésie. G2 ne veut pas s'en séparer. Donc on va avoir une bataille d'offres et de contre-offres parce que là maintenant c'est. Combien vaut Monesi? Il a été acheté, je vous le rappelle, 600 000 dollars il y a deux ans quand il était rookie. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions qu'il vaut. Néanmoins, il lui reste à peine six mois de contrat. Il ne renouvelle pas, enfin il ne re pas en tout cas chez G2 parce qu'il est en position de force. Il peut faire monter la sauce chez G2. Mais je pense que ce n'est pas forcément l'argent qui l'intéresse. C'est vu que Nico s'en va, qu'il euh, va y avoir du remaniement chez G2. Soit chez G2, tu me proposes une belle team. Prêt pour remporter des titres, je resigne avec toi sans aucun souci parce qu'il est très bien chez G2 et que ça peut être une équipe cont contenders pour gagner des titres. Je vous rappelle que G2 cette année, c'est trois titres majeurs. Soit, ben, si tu ne me fais pas une, une line-up euh, très solide euh, pour aller euh, soulever des trophées, ben, je vais chez Falcon, qui en tout cas, là, Nico, Magisk, Jimpat, Monesi, c'est quand même du très très solide. Et ils n'auront pas de mal à trouver un leader in-game en cinquième joueur. Qui pourrait être absolument tout le monde. Chez Face, par exemple, ça sent pas bon. On va regarder de manière spéculative, en direct, de manière totalement spontanée. Euh, regardez, je viens d'ouvrir la page d'HLTV. Voici le top 30. Qui vous pensez qui va pas changer de, de, de joueur Absolument personne. Chez G2, il va y avoir du mercato. Chez Vitality, on le sait qu'il va y avoir du mercato. Spink s'en va. Maisy également. Donc, il va y avoir un moins de plus de au minimum. Bon, c'est même c'est moins, moins de plus 2, c'est sûr Spirit ça devrait euh, rester Mar malheureusement pour Mouse ils vont se faire piller tout simplement Choui très bon leader in game est-ce qu'il va chez Falcon avec Jim Pat en duo moi je vous l'avais dit il y a quelques semaines pour moi le meilleur la meilleure possibilité c'était potentiellement de prendre Jim Pat et, euh, et un deuxième également chez, chez, chez Mouse parce qu'ils ne peuvent pas tenir cette cadence là sur le long terme phase c'est la fin d'un cycle c'est très irrégulier c'est moyen on est dans les mêmes difficultés que rencontre Vitality un titre cette année mais c'est quand même Mitigé de part et d'autre. Il y a des difficultés à être très régulier euh, chez Rops, chez Brocky. Euh, Peut-être des joueurs vieillissants également de l'autre côté. Même si j'avais fait une POV de Reign pour montrer vraiment à quel point ce mec est très fort. Pour moi, Karyan reste. Un leader in-game est tiers, soyons honnêtes, mais chez FaZe va y avoir du remaniement, c'est sûr à 100%. Héroïque, est-ce que c'est une belle année Oui, compte tenu du recrutement qu'ils ont fait et qu'ils qu évoluent à ce niveau-là, mais je pense qu'ils s'attendent à mieux. Astralis, ça peut bouger. Virtus Pro, va y avoir du changement. Liquid, ça reste décevant. En tout cas, sur le papier, c'est très fort. JKS, c'est fort. oui c'est fort. Yekindar, c'est fort. Ultimate, très très bonne recrue. Naf, très sous-côté. Mais chez Liquid, par exemple, soyons honnêtes, c'est une équipe qui veut soulever les titres et cette année bah pour le coup euh, on est top 13 monde et ça patoge donc vous vous doutez bien que va y avoir du changement sur absolument tous les clubs est-tiers en termes de budget, ce qui veut dire qu'ils auront un pouvoir d'achat, un pouvoir de négociation très fort, et ça va bouger dans tous les sens. Ça va bouger dans tous les sens sur la scène T1. Et tout ce qu'il y a en dessous, ça va bouger aussi. Il y a de super performances de, de la part d'Écurie de, euh, de, Tier 2. 3D Max, on en fait partie. Peut-être qu'on pourra se faire solliciter des joueurs ou pas. Un club offre de rachat de toute l'équipe, maintenant qu'on est qualifié au major, qu'ils se disent OK, ils peuvent le faire, alors qu'on a toujours voulu nous garder les joueurs, etc. Mais aucun club, en fait, n'avait euh, soumis d'offres vraiment concrètes. Malgré les sollicitations d'absolument toute la scène française, qui sont allées taper à toutes les portes, par exemple, de toutes les écuries françaises. Carmine Corp a refusé euh, 3D Max. Solary euh, également, Gentlemate également, et d'autres clubs. Malgré, euh, vraiment, je vous le dis, le forcing acharné de membres influents de la scène Counter-Strike française, qui voulaient vraiment saboter en tout cas le projet. C'est mon point de vue, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars. C'est un grand soutien et une grande récompense pour nos efforts pour effectuer un nombre de vidéos voilà, par semaine qui est quand même assez élevé. Rode 120 000 avant la fin d'année 2024. Et rappelle que l'actu Counter-Strike 2 est également disponible en podcast. Je vais vous donner des bonnes nouvelles pour commencer ce petit parcours de 3D Max qui réalise un exploit de Vitality également qui s'est qualifié pour le Major. Il y a eu des surprises bien sûr, on va démanteler tout ça, mais des petites news très sympas déjà avec les statistiques de cette qualification. On n'est même pas au Major, je vous le rappelle. 530 000 spectateurs pour le Major. Or, statistiques chinoises. Et ça, c'est exceptionnel. Le match le plus vu, G2 vs Spirit. 440 000 spectateurs et vous allez dire non mais alors pourquoi il y a 530 000 etc et eh bien c'est parce qu'on cumule les statistiques Twitch, YouTube, machin, mais on parle de, euh, de l'Occident, hein. on parle pas forcément des stats chinoises qui euh, sont gardées quand même très euh, fermées et qui sortent vraiment beaucoup plus tard en termes de leaks avec des euh, calculs à la louche, je vous le rappelle, très approximatif. Parlons de stats, toujours, on avait une petite baisse du nombre de joueurs quotidiens sur Counter-Strike 2 depuis on va dire... 2-3 mois avec la grosse hype CS2, puis entre guillemets la déception sur le gunplay, le feeling du jeu, etc. Les stats s'en étaient ressentis. Ces dernières mises à jour ont reboosté. Il y a également le Major, le RMR, toute cette hype autour de CS qui remonte, et donc forcément, on a de nouvelles stats plutôt intéressantes. Donc pour ce mois de novembre, on a 1 525 000 euh, joueurs en pic. Et on a une moyenne à 835 000. Ça faisait euh, voilà depuis juin, comme vous pouvez voir, depuis juin que ça n'allait pas très bien. Et là, on est en train de reprendre du poil de la bête. Et euh, comme vous pouvez le voir, le jeu se porte vraiment très très bien. Pour ceux qui veulent comparer les statistiques euh, de mémoire sur Valorant, parce qu'on aime bien faire la guéguerre aux deux jeux, on est sur un nombre de joueurs quotidiens à peu près à 350. 400 000 au prime de Valorant et je pense qu'on est un peu en dessous à l'heure actuelle. Donc on est quasi plus du double sur CS2, ce qui est quand même très très élevé. Le RMR Pool A, Pool B sont terminés. La semaine dernière j'avais traité l'Asie et l'Amérique du Nord, mais on va quand même en parler tout de suite un petit peu. Et là on va surtout parler du RMR A qui s'est terminé et du RMR B avec les équipes qui se sont qualifiées donc pour le Major avec Valve qui a fait absolument n'importe quoi, changement des règles en cours de tournoi ou en tout cas mauvaise communication à ce sujet. Comme vous pouvez voir les équipes qui n'y participeront pas sont euh, par exemple des équipes notables euh, bed boom qui sont euh, quand même une belle équipe du tier 2 qui n'y a pas réussi à s'y qualifier signers également euh, nemiga so les portugais falcon Surtout qui échoue en, en une victoire seulement. Falcon, ouais, une victoire, trois défaites, c'était compliqué. Vitality qui réalise un parcours parfait 3-0 avec Mouse. Franchement, sur cette poule A, je pense que c'était plutôt, plus ou moins, quand même, ennuyeux. Il euh, y avait un déséquilibre de niveau vraiment marqué entre les grosses teams et les petites teams, et en réalité, il n'y a pas eu de grandes, grandes, grandes surprises. Vitality, Mouse Navi Phase, Cloud9, Fnatic avec Body, ça faisait 4 ans qu'il galérait à se qualifier, et enfin il a réussi. On est vraiment très content pour Body qui faisait partie quand même de ce projet 3D Max, donc il fait partie de la famille. Gamer Legion qui vient prendre son dernier slot, ça aurait pu être Falcon ou quoi, mais bon, Gamer Legion reste une écurie très solide et qui sait très, très bien. Renouvelé. Parlons maintenant de la poule qui s'est vraiment disputée de bout en bout avec beaucoup de suspense, vraiment des hauts et des bas dans tous les sens. Et on parle de 3D Max qui réalise un exploit complètement fou de se qualifier, mais de se qualifier en plus avec un parcours parfait. 3 à 0. Voilà, 3 matchs, 3 victoires. Big, de son côté également, réalise cet exploit-là. C'est quand même inouï ce qui s'est passé. Et euh, on n'a pas eu non plus de grandes surprises. Si on peut déplorer, euh, je pense... Oh, je suis un peu biaisé, mais si on peut déplorer une équipe qui ne s'y pas qualifiée, je dirais que c'est Eternal Fire, quand même les Turcs qu'on attendait avec Major qui est français. Donc forcément, Eternal Fire, je le disais, on est biaisé. Astralis qui a joué avec un stand-in, donc quatrième Major consécutif que Astralis va manquer, euh, alors que je pensais vraiment qu'Astralis allait s'y qualifier. Mais malheureusement, news de dernière minute, Device était absent, Burnout... Total stress, choc post-traumatique, vraiment il est dans un trauma de ouf. Il a fait un tweet où j'ai expliqué ça la semaine dernière, où le mec vraiment il fait des cauchemars la nuit, il se lève en sueur, il n'arrive plus à dormir, c'est un truc de malade. Donc euh, c est, c est, son ex l'a absolument détruit euh, psychologiquement, c'est complètement ouf. Euh, de l'autre côté, ben, on a Virtus Pro, G2, Héroïque, Spirit qui s'y qualifie très très difficilement. Spirit, trois victoires de défaites mais ils ont joué, ils ont eu des tirages vraiment complicados aussi. Côté spirit, l'exploit de ce major là en plus de 3D Max en plus de Big, c'est Passion UA qui va participer pour la première fois euh, au major. Euh, une équipe du tier 3 ukrainienne avec Jumbo que je vous euh, conseille de regarder très fortement. C'est une prochaine pépite et donc Passion UA qui s'est qualifié. Voici la liste intégrale de toutes les équipes qui se sont qualifiées au major, donc les 24 équipes, les 24 stickers qui va y avoir dans le jeu avec des premières apparitions pour Wildcard par exemple, Passion UA. Reratom, les Chinois, FlyQuest, l'équipe australienne, et euh, sinon tous les gros sont là, hein. tous les gros sont au rendez-vous. Hein. Navigé 2, Vitality, Spirit, comme vous pouvez voir, Moose, Face, Heroic, Furia, tout le top international de toutes les nations sont représentés. Vraiment, il y a de tout. Je suis très content également pour ce RMR Asie qui a eu lieu parce que vous voyez, on a une équipe mongole, on a une équipe euh, donc FlyQuest avec des Australiens, et on a une équipe Reratom avec des Chinois, ce qui veut dire que le continent asiatique est représenté dans trois nations euh, au minimum différentes. C'est vraiment une très 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 bonne nouvelle pour euh, on a de, on a du Sud Américain aussi avec des joueurs d'Amérique du Sud Guatémaltèque chez G2 Malb on a du Brésilien chez Furia chez Imperial on a des Américains bien évidemment chez euh, Liquid etc et donc et chez Complexity il y a de tout. Il va y avoir du français, il va y avoir absolument de tout à ce major. C'est absolument incroyable. Laissez-moi d'ailleurs vous parler du taux de participation des joueurs français, qui, ce qui n'était pas arrivé depuis... 4-5 ans à peu près euh, depuis euh, l'ère où toutes les équipes étaient entre guillemets encore francophones, Vitality full française, G2 full française, où il y avait bah, 10 joueurs qui participaient qui étaient français. Et bien, c'est la première fois depuis un paquet d'années où, pour ce Major Shanghai, regardez tout en bas, on va avoir 8 joueurs français qui participent à ce Major. Apex Yiwu, euh, pour les derniers Majors, regardez, euh, Apex Yiwu, Apex Yiwu, Apex était nos seuls représentants français. Aujourd'hui, on va avoir Body qui est euh, chez Fnatic et on va avoir la petite line-up de Zinzin chez 3D Max qui vont nous représenter aussi sous écurie 3D Max avec staff français également derrière, c'est une excellente nouvelle on peut déplorer comme je le disais que majeur manque ce, ce major le franco-turc qui représente la France et qui, qui représente quand même la Turquie il n'y aura pas donc de turc à ce major là, c'est vraiment euh, dommage, j'aimerais euh, d'ailleurs vérifier quelque chose, il n'y aura pas de danois hein. il n'y aura pas de danois à ce major là, on n'aura que quelques petits participants euh, car également par exemple chez FaZe, quelques joueurs également chez Heroic euh, qui sont danois, mais on n'a pas de, de joueurs d'équipe de cinq danois comme c'était le cas avant avec euh, par exemple c'était la nation la plus représentée euh, avec les Russes bien évidemment parce que là va y avoir du Virtus Pro, va y avoir du Spirit etc donc euh, les CIS eux ils ont de beaux jours devant eux pour marquer l'exploit de ce RMR et de cette qualification on a un, eu un superbe article de la part de euh, l'équipe euh, voici le titre Counter Strike 3D Max pour le Major de Shanghai après un RMR aux multiples surprises. Et oui, en parlant de surprise, regardez ce qui s'est passé. RMR a se joue sous 4 sous, sous jours, 4-5 hein, jours de compétition avec des, euh, des classements euh, définis par le tie-break. Donc des joueurs qui doivent se euh, jouer ensemble avec les mêmes scores pour définir qui est la quatrième place pour avoir le slot légende. Euh, et donc. Poule A, tout se passe bien. Poule B, un jour de compétition, deux jours de compétition, puis trois jours de compétition avec 3D Max qui bat G2 en BO3 et donc on, on va vers le, le 3-0, on l'a, on l'obtient, on va directement au Legend Stage, Big fait exactement la même chose, et là, communiqué de la part de Valve, qui décide de changer le règlement en cours de compétition, c'est la folie totale. Et ce n'est plus en fonction des résultats au RMR que ton, euh, ton appartenance au slot Legend ou à l'Opening Stage est définie, mais... En fonction du classement Valve. Donc laissez-moi vous expliquer tout ce bordel. Mais avant ça, on va euh, avoir le sourire quand même. Et de vous parler. Eh bien de Joko. Qui nous fait une petite vidéo en direct de la Chine. Pour nous révéler par exemple potentiellement sa prochaine signature de sticker. Parce qu'on aura le sticker 3D Max. On aura les signatures des joueurs. Que vous pourrez acheter. Et sachez que ça soutient euh, les joueurs directement. Donc regardez ça. Alors là, est comment ce sticker. Alors c'est très simple très simple tu commences comme ça avec un D le J qui part en dérapage petit cœur pour les rageux et voilà voilà donc euh, le petit dérapage et le petit cœur pour les rageux, petit sticker Joko par exemple, euh, ça pourrait être une petite esquiche de ce que vous pouvez avoir. Parce que pour le moment, rien n'est révélé. Au moment où j'enregistre cette vidéo, en tout cas, on a le maillot 3D Max également qui, est, qui a été révélé pendant ce major là. Donc voici euh, le maillot avec une édition particulière. C'est une édition spéciale pour la participation à Shanghai. Euh, avec un style vraiment classique, colvé. On a voulu faire un, un design tout old school. Euh, euh, qui donne très très bien en noir et blanc, il y a des gens qui déplorent le manque un petit peu de rouge, il y a des gens qui euh, n'aiment pas la coupe avec des manches un petit peu oversize et ce genre de choses, c'est vraiment... Euh, un choix de direction artistique dans euh, ce major là où on a voulu euh, faire un maillot un peu style classique pour peut-être concorder avec euh, la culture asiatique, j'allais dire kimono, mais pas forcément kimono, Vous voyez les trucs un petit peu large, etc., oversize et surtout avec euh, des, euh, des typos un petit peu asiatiques ou carrément écrit en chinois avec écrit euh, Shanghai, major, etc., pour euh, leur représentation et, et, et le respect un petit peu, l'assimilation à leur culture en ne dénigrant pas la nôtre avec les petits drapeaux français derrière dans le dos comme vous avez pu euh, le voir désormais parlons donc du euh, nouveau format du Major alors euh, sachez que il y a le RMR donc le RMR c'est les qualifications et déjà pour aller arriver au RMR les gars il faut être déjà des monstres qu'on soit bien clair hein, parce qu'il y a des à la base il y avait des Open Qualifier etc maintenant c'est basé sur le classement Valve des équipes qui sont invitées au RMR il faut être dans le top 16 Europe dans le top 8 NA dans le top machin Asie et, et ce genre de choses donc il faut être bon toute l'année pour être qualifié au RMR. Quand tu es au RMR, ça se déroule en Chine, c'est ce qu'on vient de vivre. D'accord Et on est en Suisse format. Trois victoires pour passer au Major et il y a 24 slots au total, 17 en Europe euh, 3 en Asie euh, 6 ou 7 en NA dont les Brésiliens et dont les Nord-Américains, donc vous avez compris c'est un peu tout ça, bon je dis ça de mémoire hein. les calculs sont peut-être pas bons, il me manque une ou deux équipes mais en gros vous aurez compris comment ça se passe et donc euh, avant, tu avais 3, -0, euh, 3 victoires 0 défaites, tu allais directement en Legend Stage Legend Stage c'est une étape qui te fait éviter l'Opening Stage, donc laissez-moi vous montrer ce que c'est que l'Opening Stage c'est ça l'opening stage. L'opening stage, c'est encore le major avec 16 équipes qui vont se tabasser les unes contre les autres. Enfin, euh, euh, non, 24 équipes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez, il en manque 6. Euh, Et donc, c'est 6 équipes européennes. Dans ces 6 équipes européennes, c'est euh, du classement précédent. Donc, en gros, toutes les équipes qui sont en 3-0, donc là, pour le coup, euh, c'était Vitality, euh, Mouse, euh, 3D Max, Big, etc., devaient jouer directement le Legend Stage. Directement le Legend Stage. Et en gros, si tu te qualifies encore une fois euh, du Legend Stage, tu vas en, en, en playoff. Sauf que, ils ont défini euh, les classements maintenant qui allaient être attribués non pas par les victoires au RMR ou quoi que ce soit, mais par le classement Valve. Ce qui veut dire que, regardez bien la douille monumentale que c'est, et je pense que c'est une injustice, mais genre, euh, je déteste en fait ce format-là. Parce qu'en fait, on n'aura plus ce genre d'histoire où 3D Max est en 3-0, où Big est en 3-0, et donc se qualifie directement en Legend Stage. Là, par exemple, cette année, c'est le cas, on a. Euh, Spirit qui s'est qualifié en trois victoires de défaites et qui donc devrait passer par l'opening stage et donc devrait se rebattre encore une fois parmi, euh, parmi ces équipes-là, là. parmi euh, MIBR, -E Liquid, Heroic, etc. Et devait refaire encore une fois trois victoires pour aller en, en, en Legend Stage. et bien maintenant non, sachez que Spirit par exemple ils sont quatrième mondiaux. Donc, ils sont directement en Legend Stage. Le top 8 va directement en Legend Stage. Et euh, le top 8, comme vous pouvez voir, donc on va faire régional ranking en Europe. Le top 8, regardez, hop. Et nous, 3D Max, on est top 11. Donc, on aurait dû sauter. Seulement, Saw so ne s'est pas qualifié. Liquid est en NA. Eternal Fire ne s'est pas qualifié. Donc, nous, en fait, on passe devant Saw. So, on passe devant Liquid. Et on passe devant Eternal Fire. Et on est 8e au classement maintenant européen. Donc. On va quand même être en Legend Stage pour 3D Max. Mais ce n'est pas le cas pour Big. Big, ils sont 15e mondiaux. Ils sont où là Oui, ils sont 15e mondiaux, Big à l'heure actuelle. Ça veut dire que Big, qui est à 3 victoires, 0 défaite. Eh bien, ils vont passer derrière Spirit, qui fait 3-2. Ils vont passer derrière G2, qui font 3-1. Ils vont passer derrière Heroic. Ils vont passer derrière FaZe qui sont en 3-1. Alors, ils font mieux que quatre équipes qui sont meilleures que Big, pour le coup, c'est vrai. Mais privilégier le classement comme ça, bah ça va surtout privilégier les gros, les mastodontes, les écuries qui ont des budgets en millions, qui sont des grosses écuries, qui vont être qualifiées tout le temps, qui vont être invitées tout le temps, et donc sécuriser des points toute l'année. Quand tu es automatiquement en fait, invité à Cologne, Katowice, Dreamhack, ESL, machin, Pro League ou quoi que ce soit, que tu es partenaire de la Pro League, même si tu finis dernier de tous ces tournois, tu gagnes de l'argent. Et donc tu gagnes des points. Et donc tu es dans le classement mondial. Dès lors que tu es dans le T2, dans le T3, tu dois faire les qualifications. Dès que tu perds un match, c'est fini, tu prends pas d'euros de cash prize, rien du tout. Et donc tu ne cumules absolument aucun point. C'est pour ça que c'est très très dur en fait de rentrer dans le T1. C'est pour ça que c'est aussi un faux mensonge, une fausse vérité de dire... Le tournoi, euh, le, le circuit Counter-Strike, c'est un circuit ouvert. C'est un circuit ouvert, mais on voit qu'on le ferme quand même de plus en plus. Pas tout le monde peut se qualifier comme ça au Major maintenant. Il n'y a plus d'opening qualifier. On n'est que sur des invitations au RMR. Et maintenant, quand on fait le RMR et qu'on fait 3 victoires, 0 défaites, on doit passer par l'opening stage. Ça veut dire qu'en fait, une petite équipe ne fera plus jamais de playoff. Elle doit réaliser l'exploit au RMR, l'exploit en opening stage... L'exploit en Legend Stage pour aller en Playoff. Alors qu'on a déjà vu en fait des équipes qui vont directement en Legend Stage, refont une belle performance parce qu'elle est en confiance et elle est en Playoff. Elle fait un quart de finale, elle perd contre un gros, mais au moins elle a fait un quart de finale de major, une demi-finale de major. Rappelez-vous quand même du major à Bercy, à Paris, que nous on a vécu. On a Gamer Legion, Into the Bridge. on avait euh, euh, Monté, il y avait quand même beaucoup d'équipes qui sont allées en playoff. Je pense que ces parcours-là, on ne les verra plus. Alors attention, un bien, un mal, ce qu'on gagne, on le perd, ce qu'on perd, on va le gagner aussi ailleurs. Ce, ce qui est bien avec ce format-là, c'est qu'en fait, on va voir, comme vous pouvez voir en Legend Stage, que du G2, du Navi, du Vita, du Mouse, du Phase, du Liquid, du Spirit, que du lourd, que du très lourd, que du très populaire, que du très attrayant, que du très bankable. Et donc pour les casus... 99% de, des gens qui regardent, parce qu'en plus c'est à l'instant T, c'est un événement mondial. Nous on va le regarder parce qu'on aime CS, mais il y a des gens qui regardent un peu de League of Legends, de Rocket League, de Valorant, etc., qui ne regardent pas tous les tournois, mais là pour le coup c'est le Major, ils vont le regarder un peu et ils vont voir toutes les grosses équipes. Et eux, ça va les faire rêver et donc euh, et ça va faire de, 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 une, une, une giga audience. Parce que quand tu as un quart de finale, euh, G2 Navi, un autre quart de finale, VitaFace, un autre quart de finale, Spirit, euh, Virtus Pro ou je sais pas quoi, tu as, de la, as des grosses rivalités qui se créent entre les Européens, entre l'Europe et le NA, etc., etc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une équipe européenne être vraiment rivale avec une grosse équipe NA dans un match en jeu, euh, dans, dans un gros stage Je ne suis pas euh, l'aigri euh, du coin, juste pour vous dire c'est mauvais. Je vous ai apporté dans un premier temps ce qui était très mauvais et ce que je déplorais et que je suis même plus de cet avis-là. Mais je vous apporte la deuxième euh, vision sur tout ce que ça va apporter de positif et qu'en tant qu'amoureux de CS, en tant qu'amoureux un petit peu de l'esport et, et de ma scène entre guillemets, euh, c'est pas la mienne mais je fais partie de ça, on fait tous partie de ça et ça va nous apporter du bien les gars, ça va nous apporter une vague de popularité, ça va nous apporter eh bien, du storytelling euh, entre guillemets scripté quoi on, on essaye de, de, de scripter, euh, de, de minimiser l'aléatoire, de minimiser les chances de voir euh, des petits, entre guillemets, qui sont forts, mais bah, je suis désolé, regardez, 3D Max, on s'est qualifié, euh, Big s'est qualifié, Passion UA s'est qualifié. Si on va en quart de finale, passion UA vs 3D Max, ça fait rêver personne. Moi, ça me fait rêver. Toi, ça te, rêve... ça, ça te fait rêver parce qu'on connaît ces mecs-là. C'est mon équipe, vous, vous me suivez, vous les suivez, on est français, etc. Pour les Ukrainiens, il va y avoir la même, euh, le même aspect pour les Ukrainiens. Mais les NA, les Asiatiques, vous voyez, à la big échelle, c'est un match qui ne va pas drainer de statistiques, on le sait très bien. Rappelez-vous du Major à Rio, la finale héroïque Virtus Pro, c'est un fiasco. Ces deux équipes ennuyantes, personne ne l'a regardé. En termes de stats, euh, je suis désolé, mais il y a des quarts de finale et des demi-finales, ou même des matchs en, en stage qui ont été plus importants. Des Vitality G2, des Navi, des Navi euh, Vitality avec euh, la rivalité Simple Zew. Enfin, Les gens veulent ça, en fait. Et on essaye de scripter petit à petit ça. Je n'aime pas le chemin que ça prend parce que c'est l'inconnu, parce que c'est de la nouveauté, parce qu'on a toujours grandi dans cette communauté de Counter-Strike où t'es fort, tu, tu, tu réussis, on te respecte, euh, t'es là, t'es invité, t'es machin, euh, t'es le copain d'eux, etc. On le déplore ça, on l'a toujours déploré, nous, euh, le piston, l'aile, le, le truc comme ça. Bon, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc, euh, c'est dur, c'est dur. Et ce qu'on a vécu sur le RMR, on va le vivre en Opening Stage et en Legend Stage. C'est les mêmes formats. Trois victoires, tu passes dans le stage d'après. Trois défaites, tu dégages. Tous les matchs qualificatifs et éliminatoires sont en BO3. 2-0, 2-1, 2-2. 0-2, 1-2, 2-2. Et tous les autres matchs sont en BO1. Donc 0-0, 1-0, 1-1, tout ça c'est du BO1. Et tous les matchs qui te permettent de te qualifier, ou tous les matchs qui vont faire que tu sois éliminé, sont en BO3. C'est entre guillemets le format le plus fair où tu joues du BO1, tu joues du BO3. Et toutes les équipes se cannibalisent entre elles. Toutes les équipes en 1 victoire, 0 défaite se jouent, toutes les équipes en 2-0 se jouent, toutes les équipes en 2-1 se jouent, et ainsi de suite. Euh, mais il euh, y a du vol de seed en fait. C'est pour ça que quand tu... Euh, pour le parcours de 3D Max, ça a été très dur pour nous parce qu'on a dû jouer vraiment que du gros. Alors que Big, il euh, y a des gens qui déplorent un petit peu leur participation. Parce que pour le coup, Big, ils ont joué euh, je, je digresse un peu les gars. Mais euh, Big par exemple, ils ont joué... Euh, allez, on va regarder vite fait Big. En fait, ils se qualifient au Major, c'est ce que disent les gens, tu vois, ils se qualifient au Major en 3-0, certes, mais ils, en fait, ils battent Sachi en BO1 c'est une équipe clairement concurrent direct Heroic c'est au-dessus d'eux un peu quand même mais bon ça bat Heroic en BO1 tu vois les gens ils disent ouais mais c'est un BO1 tout peut arriver en BO1 sur un mer 12 et derrière en BO3 ils, ba ils battent Passion UA quoi. alors que quand on voit euh, les, les frères 3D les, les guerriers euh, les, la, le French CS regardez nous c'était vraiment la guerre hein. déjà on a TSM en concurrent direct c'est une équipe du top 20-25 monde BO1 c'est dur Eternal Fire top 10 monde et G2 Top un monde, dernier champion au titre des Blasts, de Dallas, de machin, etc. Et on doit les battre, les battre en BO3. Donc c'était quand même très dur. Ce qui fait que notre histoire, en tout cas, c'est pour ça que je l'aime plus que celle des autres. C'est que on y est arrivé vraiment euh, à la sueur de notre front. quoi. Donc félicitations encore aux joueurs. Je les embrasse très très fort. Normalement, je devrais aller en Chine les gars, donc peut-être que vous allez avoir du vlog, peut-être que vous allez avoir des news sur place. Continuez de vous abonner. En tout cas, merci pour votre soutien. À très bientôt.